Et quoi, Mode Verfeil, ben, c'est un lieu de vie collectif, un lieu avec des maisons écologiques, où on essaie d'avoir un impact environnemental réduit. Et voilà, on essaie d'expérimenter le vivre ensemble, d'autres modes de vie, des modes de prise de décision un peu différents. Alors, l'habitat à l'éco-hameau de Verfeil, c'est des maisons bioclimatiques, des maisons ossature bois, isolation en paille et enduit en terre. C'est des maisons où on laisse rentrer beaucoup de lumière naturelle et donc les maisons sont chauffées en grande partie par le soleil. Et donc nous avons qu'un petit poêle pour chauffer toute la maison. Et on passe 2 stères de bois à peine par an pour tout chauffer. Toutes les maisons sont reliées à la phytoépuration pour le traitement des eaux grises, donc les eaux de douche, cuisine. Comme on est en toilette sèche, on a une consommation d'eau qui est de l'ordre de 40 mètres cubes d'eau pour une famille de 4 personnes annuelles, ce qui est rien du tout. Je suis arrivée ici, ça fait 3 ans et demi maintenant. En fait, j'ai vécu le décès de mon mari. Et l'idée d'être dans un lieu où il y a de l'entraide, mais c'est de l'entraide pas seulement vers nous, mais moi vers les autres aussi, c'est ça qui me semblait important. Et la partie écologie, c'est quelque chose qui était très fort pour nous aussi. Ça tombait bien. Ils avaient une journée d'accueil une semaine après. Je suis venue et puis j'ai décidé que ça valait la peine de revenir avec les enfants. Et on a décidé que c'était le lieu pour nous. À l'éco-hameau de Verfeil, on essaye de garder un équilibre effectivement au niveau génération, au niveau des âges. On a voilà, des retraités, des personnes de la trentaine, quarantaine, cinquantaine. On a une dizaine d'enfants. Et c'est vraiment, ça crée un lien très particulier et ça permet voilà, à chacun de transmettre ses savoirs, de transmettre ses connaissances, son expérience de vie, et c'est très enrichissant.